Du génie. C'est le travail. Il a fallu du temps pour en arriver là et puis s'inspirer des plus grands. Non, ne l'écoutez pas, il est trop modeste. Ça s'appelle le talent et le talent, ça paie. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah. Oh. Mon chéri, tu as été nommé nouveau directeur musical de l'Amicale Saint-Cyrienne. Bravo. Oui. Super. Bonjour, Charles Pezzo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez m'appeler Charles. Pardon, désolé, je suis en retard, j'ai un problème de train. Bon, je pense que tout le monde est là. On va peut-être commencer avec une partition que vous jouez habituellement. Quelqu'un aurait un conducteur à me prêter? Non, voilà. Vous êtes le premier violon, je présume? Ben, vu que je suis tout seul, oui. D'accord. Bon, très bien. Bah, je fais 3-4 et puis on démarre. 3-4. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Vous jouez particulièrement bien. Oh, c'est gentil. Ben, je fais du xylo depuis que j'ai 6 ans. Donc j'imagine que c'est normal. C'est l'habitude. C'est cool. Ouais, c'est cool. Je vais y aller, moi. Salut, à bientôt. Salut. Oh, Charles. Charles, le petit Charles, comme dit sa maman. Mais moi, j'ai envie de dire le grand Charles. Depuis le temps qu'on entend parler de vous. Ah, bienvenue. Bienvenue. Je suis mais heureux, ravi de vous accueillir au sein de notre magnifique orchestre. J'ai décidé de changer la programmation du concert. Nous allons jouer Ludwig van Beethoven. Je vous ai laissé les partitions sur vos pupitres. Enfin Charles, le concert est dans 3 jours. Et puis avec des musiciens aussi talentueux que vous, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, il y a quand même 2-3 petites choses un peu compliquées, alors je vous laisse 2-3 minutes pour travailler et puis ensuite on déchiffre ça ensemble. Facile. Ça
non, 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 stop. Non, c'est une catastrophe, c'est un désastre, là. Essayez d'aller travailler à la maison d'ici demain, mais en même temps, c'est peine perdue. Je pense qu'on est tous d'accord pour admettre que le comportement de Charles n'est pas du tout approprié à notre formation. Sylvie, je suis désolé, mais c'est la vérité. Faut juste lui laisser un peu de temps. Non. Sylvie a peut-être pas entièrement tort, c'est vrai que... Non, je suis désolé, Sylvie, mais il déraille complètement. Alors bon, peut-être que j'étais pas complètement dans le tempo. D'accord, non, mais enfin quand même. Hein? Franchement, est-ce qu'on a des têtes à jouer du Beethoven? Mais maman, on peut pas faire la 9e avec un triangle.